Quand l'élevage canin veut coller à l'actualité, on en arrive à quelques dérives. En effet, un éleveur a décidé d'arrêter le lévrier afghan pour le lévrier taliban. Nous sommes le vendredi 5 décembre 2014, voici ce que vous avez peut-être zappé cette semaine. Il est temps de faire un point sur l'actu, bonjour. Ce lundi 1er décembre a eu lieu la journée mondiale de la lutte contre le sida et un nouveau défi se lance sur les réseaux sociaux avec le hashtag #WeAreAllClean. Défi qui consiste à se prendre en selfie sous la douche, une annonce qui a fait l'effet d'une douche froide pour les gens qui stigmatisent les séropositifs. Mardi, triste jour, Microsoft annonce la mort du clipart de Microsoft Office. Petite image directement installée sur le logiciel. Dorénavant, ce seront des illustrations sous licence libre Creative Commons, issues de Bing, qui remplaceront le clipart. Pas sûr que ça améliore l'image de Microsoft. Faire partie d'un groupe Facebook qui signale les radars routiers est maintenant passible d'une suspension de permis d'un mois. C'est ce qu'ont vécu 15 personnes en Aveyron, ils ont été condamnés pour soustraction à la constatation des infractions routières. Passer du réseau routier au réseau social a l'air si simple de nos jours. Il y a quelques mois, YouPorn demandait sur Twitter s'il devait se lancer dans l'e-sport en sponsorisant une équipe. C'est désormais chose faite, c'est le site pour adultes prend en main une team en pénétrant le jeu Dota 2. Après le sport de chambre, l'e-sport, cela me semble logique. Cela fait quelques mois que la Société Civile des Producteurs Phonographiques, SCPP, voulait faire bloquer le site The Pirate Bay en France, qui proposait des millions de fichiers en téléchargement en peer-to-peer via Torrent. La justice a répondu positivement à la requête de la SCPP et ordonne donc le blocage du site. Pour les internautes, ce n'est plus pour le meilleur, mais pour le peer-to-peer, car la SCPP leur crie « Ils nous ont volé notre torrent, pirate !» Il est temps de partir en week-end, à la semaine prochaine pour un nouveau point sur l'actu. En attendant, coupez la télé, lisez les journaux et suivez Yvason Studio. Ciao !